Mur d'État, c'est chaque semaine deux graffeurs qui peignent une œuvre sur un mur de leur ville en lien avec un sujet d'actualité de leur choix. C'est la liberté d'expression qui est au cœur de chacune des performances. Pour la première émission, Keno et Orphée ont choisi de démontrer ce qu'est la liberté d'expression dans le graphe. Ouais, expression simple, exprime-toi, quoi, fais-toi plaisir. Quoi. Un mur, des bombes, beaucoup de place, c'est un espace d'expression, donc tu te lâches, tu te fais plaisir, tu balances de la couleur. Keno et Orphée ont 28 ans. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école à Montreuil, ville où la scène graphe est très active. Ils partagent depuis plus de 15 ans leur passion pour le graphe et la liberté d'expression dont ils ont fait un vrai leitmotiv. Leur volonté de s'exprimer de manière artistique prend forme sur différents supports. Ici, un mur de terrain de foot de leur quartier. Ouais, je mets une tête de croco ici. L'étape d'après, c'est le contour de la lettre. Une grande diversité de couleurs pour véhiculer l'énergie qu'ils mettent à défendre la liberté d'expression. Une œuvre dynamique, foisonnante, éclatante, qui interpelle. Un lettrage clair et lisible, de grande dimension pour une bonne compréhension de leur message. Un des trucs qui est très intéressant dans le graffiti, c'est que l'outil bombe, en fait bombe de peinture aérosol, te permet de revenir et de recouvrir sans arrêt. T'as pas besoin vraiment d'attendre que ça sèche, quoi. C'est instantané, quoi. Et après, il y a les étapes où tu reprends, les étapes d'avant, quoi. Moi, je voulais remplir, quoi. Tout remplir. Ouais. Tout remplir. Tout remplir, parce que là, sinon, ça va avec les lettres en haut. Un animal bienveillant rappelle l'influence de la BD. Il entoure et protège leur message. Peindre à deux, je savais pertinemment qu'il y avait des trucs qui allaient disparaître, qu'il y avait des trucs qui allaient être recouverts de l'un comme de l'autre. Autant tout repeindre, même là-bas, je crois, c'est mieux. Hein. C'est archi mieux. Je vais tout repeindre aussi, c'est mieux. Le graphe est un art éphémère et libre, reflet des époques et du temps qui passe. Il se recrée et se réinvente sans cesse et témoigne de cette chance et de ce droit fondamental qu'est la liberté d'expression. Ça donne Express Yourself de Keno et Orphée. Express Yourself, c'est un mur de 10 mètres sur 4, 4 heures de temps, 52 bombes, 18 couleurs. On avait à la base un thème, quoi. On va dire que, ouais, je pense, c'est laisser aller, quoi. La nature a repris le dessus. C'est un moyen de s'exprimer, être en mouvement, être vivant par la peinture. On s'est servi de la lettre, on a mis de l'énergie dedans, on a fait un gros truc. C'est aussi un truc bien d'approfondir quelque chose de spontané, quoi. Express Yourself. Merci Keno et Orphée pour ce moment de liberté partagée qui introduit une belle série de murs d'État.